Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo placée sous le signe, et oui, vous pouvez le voir peut-être à la couleur de ces portes. Donc sous le signe du Jardin Pâle. Je l'ai trouvé. J'avais regardé hier quelques vidéos de Haïpierre et d'Aurélien Sama et quelques éléments étaient donnés concernant la position éventuelle de ce nouveau biome. Et bien effectivement, il m'a fallu quelques jours d'exploration. Comme vous pouvez le voir, on en est au 67e jour de jeu, alors qu'on était à la 50e dans la dernière vidéo. Mais ça y est, c'est trouvé. Et donc là, je suis dans les conditions parfaites pour vous faire découvrir en direct. Il est où? Il est où? Il est où? Le creaking. Oh, c'est gentil ça. Alors, tout à l'heure, il était là-bas. Il est là. Voilà, regardez-le. Il est là, le creaking. Il est dans son arbre. Est-ce que c'est cet arbre-là qui... C'est génial, il est carrément intégré dedans. Et ça y est, maintenant il va bouger. Toi, va te faire voir. Voilà, c'est fait. Ouais, non, attendez, parce que là, il faut que je me protège quand même. Hop là. Donc j'ai récupéré des pousses de chêne, des bûches, de la mousse, de quoi faire ce qu'il faut, et maintenant j'aimerais bien récupérer de la résine, mais pas en allant me battre avec le creaking, parce que je n'ai toujours pas d'armure extraordinaire. Vous avez vu, j'ai fait voler un tout petit peu ici. Il est où lui? Là. Voilà, et hop, les loups au boulot. Hop là. Et donc le creaking, je sais pas du tout. Je sais pas où il est. Et il paraît que il défonce quand même pas mal. Ses attaques, c'est 2 points. 2 cœurs, il est là-bas. Ouais, j'aimerais bien faire le guignol, mais... Hop. Voilà, petite capture d'écran, comme ça. Il m'attaque pas, c'est bizarre. Je pensais que quand on le regardait pas, il attaquait. Est-ce que si je lance les loups dessus... Non, j'ose pas. J'ose pas l'attaquer. C'est mon premier passage, maintenant je sais où c'est, donc... Je reviendrai, et là je vais attendre qu'il fasse jour, ce qui est bientôt le cas, pour voir si le cœur est dans cet arbre là ou dans l'autre arbre que j'ai marqué tout à l'heure. Ouais, c'est un peu flippant hein, quand on sait pas trop, et surtout quand on a sa partie qui est... Il s'approche? Non, j'ai entendu autre chose. Hop là, allez, je me renferme, j'attends. Ah non, c'est une araignée. Ouh, purée. Donc on est dans le biome. On va y retourner en plein jour et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Même si je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Moi je suis super content de d'une fois encore pouvoir le... Il est là. Il est toujours là, donc... allez, voilà. Qui c'est qui me latte? Oh là là, 2,5. J'ai entendu un drôle de bruit. Je ne sais pas du tout qui vient de se faire latter. En tout cas, les loups, ils ont fait leur boulot. Ah non, alors le creeper, par contre, non, on oublie. Là, le jour se lève, donc c'est bon, là, ils vont... Voilà, cramer. Waouh. Ça a l'air d'être bon. Le creeper, il est là.
Mais il y a un chat, normalement il devrait pas venir là. Allez, barre-toi. Voilà. Toi, t'es à moitié fou. Voilà. J'adore ça. Mais encore! Allez, on refait le plein. Pour toi, pour toi. Je t'ai vu, le creeper là-bas, je t'ai vu. Les loups, c'est comment toi? C'était pas bien toi. Allez, celui-là, on le dégage. Non! Ouh, la nuit est passée, c'est bon. Je l'ai eu, ouais, si, c'est bon. Alors maintenant, je voudrais voir si... Oh, mais il y a trop de creepers, là. Si les arbres que j'ai... Ok, ça c'était lui. Donc là, j'ai marqué cet arbre-là. Est-ce que le cœur... Il est là? Non, pas du tout. Donc en fait, j'ai pas pu l'identifier parce que je me suis pas battu. Mais c'est pas bien grave. Donc c'est pas l'arbre à côté duquel il a apparu qui est obligatoirement porteur du cœur. Il y avait celui-là, là-bas aussi. Mais ils sont peut-être pas assez gros, c'est peut-être celui-là. Est-ce que celui-là n'est pas un peu plus large? Non, pas plus. Non plus. Bon. Waouh. Toujours est-il que maintenant on a trouvé le biome. J'ai ma petite maison qui m'attendra ici la prochaine fois. Et on va pouvoir repartir. Non, je reprends ça avec moi. Qu'est-ce que je ne garde pas? Ça, je garde pas. Excusez-moi, je fais le ménage. À l'intérieur de tout ça, ma carte, j'en aurais peut-être pas besoin, mais on sait pas. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà. Le biome a été trouvé. Maintenant, il faut que je garde mes points de repère. Ah oui, si, ça j'aurais pu. Hop, et de cette manière, je garde un truc en plus. Pareil, l'arc, je pourrais le jeter ici, parce qu'il est franchement pas utile. J'emmène ça avec moi. Allez, zou. Je retourne au plus vite à mon village et je vais essayer de marquer entre parenthèses le chemin exact pour revenir ici une fois que je serai un peu plus équipé de manière à pouvoir affronter le creaking complètement. Hop. Bon, on va éviter de vous imposer le retour jusqu'au village. Ce n'est pas nécessaire. Tiens, c'est sympa ici. Qu'est-ce qui a fait tout cramer? La lave, mais elle est où? Même pas de la lave. Un feu de forêt. Allez, très bien. Retournons au village. Ah non, attendez. Oh, des pandas. Trop bien. Ils sont tout mignons. Allez, viens par là, toi. Hop. Hop. Ils sont marrants. Et le deuxième. Ce qui va nous faire... Un autre panda? Oui, un bébé panda là. Oh, ils ont fait des tout petits bruits sympathiques. Très bien, ben voilà, je sais que je reviendrai aussi par là.
Allez. Donc je suis arrivé par ici et je repars donc par le même chemin. Waouh, il y a du monde pour m'accueillir, c'est bien gentil, mais on ne reste pas. Et les loups, ils font quoi là? Ah oui, non, mais c'est bon. Je rentre au village. Ouf. Quoi? Qui c'est qui est pas content encore? Allez. Et bien voilà, cette expédition se termine plutôt sous de bons augures. Je vais me positionner là et je vais revoir un petit peu tout ça. C'est ça que j'ai pété, d'accord. J'avais entendu un truc qui avait éclaté, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Solidité de... Ouais, bon, ok. Voilà, bah écoutez, je suis super content d'avoir vécu cette expérience un peu trop flippante à mon goût, mais c'est le jeu. D'avoir enfin trouvé ce biome. Et donc maintenant, je ne désespère pas de pouvoir passer le jeu dans la dernière snapshot. Là pour l'instant je suis toujours avec la 1.21.3 et donc j'aimerais bien pouvoir mettre la dernière snapshot pour pouvoir profiter des derniers éléments et pouvoir vous les montrer. Je décompresse là tellement c'était assez flippant. Du bois de chêne pâle, des planches. Bon ben je vais voir un petit peu ce que je vais en faire. De toute façon je pense que je vais pas spécialement utiliser ce bois blanc pour l'instant. Quoi que faire des petits boutons blancs là, ça pourrait être sympa, mais c'est pas l'objectif. J'ai aussi donc plein d'enchantements à faire pour étrenner cette table et peut-être utiliser ces premiers. Ah oui, j'ai plus de place, j'ai fait n'importe quoi. Allez hop, on va poser ça ici. Voilà, tout ça c'est pas nécessaire là. Et donc là j'ai
protection 3 et charge rapide. Oui, alors charge rapide, ça me... Enfin, je suis pas un grand utilisateur de l'arbalète, mais il faudra bien le faire pour débloquer des compétences. Donc ça sera à faire. Niveau 58, on a de quoi faire des beaux enchantements. Et ben ça sera peut-être pour le prochain épisode. Si d'ici là je ne retourne pas au jardin pâle. Je pense que le jardin pâle, je vais attendre d'être passé dans la nouvelle snapshot pour avoir l'apparition des nouvelles fleurs que là on n'a pas vues. Hein, on les a pas vues dans cet épisode là. Donc c'est bien ça, elles sont apparues que dans la dernière snapshot. Bon, et ben voilà, c'était une belle aventure. Je suis content, mais trop content de l'avoir trouvé. Hop, ce nouveau biome et d'être vraiment dans la thématique en fait de ce qui me pousse à faire des vidéos, c'est-à-dire à vous montrer en direct, en live et non pas en mode créatif mais en mode vraiment hardcore les nouveautés du jeu. Et j'ai encore besoin d'aller aussi dans le Nether, de trouver une forteresse ou de trouver un village avec un prêtre pour avoir un alambic. Voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais ça sera pour plus tard. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!